C'est bientôt donc Vincent Fernieux qui va être équipé aux couleurs de son tablier. J'avais envie de dire ça boule des tours. Ça boule des tours. Lui, c'est le chaboté, Fernieux. Allons-y pour cette lotte aujourd'hui, terre et mer. Tout va bien, Franck. Hein. Ah oui, tout va bien. J'en mets un petit peu de feu en dessous, là, parce que là, on ne voulait pas que ça brûle, les échalotes. Vous savez que les échalotes, si vous les laissez trop, elles prennent un petit goût acre, hein, si elles sont trop dorées, trop brunes. Alors, tu as tes beaux cubes de lotte. On a vu que tu l'avais découpé. Tu les mets dans les échalotes. Dans les échalotes, dans le beurre très chaud, et on va les faire sauter pendant quelques minutes. D'accord. J'ai mis les joues de lotte aussi, que j'ai retirées tout à l'heure. Et la joue de lotte, c'est une merveille, ça. Hein. Alors, tirer ce lâche de joue de lotte. La joue de lotte, c'est ce qu'il y a de plus moelleux, c'est ce qu'il y a de plus. C'est tendre, plus tendre. Ah, c'est merveilleux. Voilà, on sent que ça commence à chanter. Puis alors là, tu as de la belle andouille. Qu'on va mettre quand on aura commencé à prendre. L'andouille de Guémené. Voilà. Quand Guémené on aura commencé, sur scorf, hein. Voilà, c'est ça. Quand on aura commencé à prendre une belle couleur au morceau de lotte, on pourra mettre justement les morceaux d'andouille. Dis c'est donc, pour Franck, elle est un petit peu grassouillette, ton andouille. C'est ça, il faut c'est ça. Elle a gardé un petit peu de gras dedans. Voilà. Et on met ça. Qui va donner un peu ce goût de cochon fumé dans la région. Alors voilà. Et on laisse. Et on leur a laissé maintenant. Et quand on a pris les belles couleurs de chaque côté, nous pourrons déglacer avec un peu de vin blanc. Du... Voilà. Du vin blanc du vin blanc du coin, de la région nantaise, du gros plan, un coup de muscadet. Un beau muscadet sur lit. Ah oui, alors c'est important parce que d'abord on est locavore, on reste dans la région et puis c'est un vin qui va apporter un peu de fraîcheur, d'acidité à la sauce crémée, justement. Nos légumes, ils vont bien, on les découpera après et nous servirons pour la garniture, on fera des fagottas. Ok, à tout de suite les amis. La maestria, sûrement. C'est du taf. Voilà. Oui, c'est bien. Ah ouais, comment ça s'appelle du taf. Heureusement qu'on est deux. Voilà. Alors, Franck, là, le poisson, il est cuit pratiquement. Oui, il est pratiquement cuit maintenant. Juste le déglacer au vin blanc, tout de suite, là, maintenant. Vas-y, déglacis. On a dit un coup de muscadet. Un bon verre de muscadet, il ne faut pas hésiter. Avec un feu bien vif, chaud, pour que l'alcool s'évapore. Et après, on finit à la crème fraîche. Voilà, tranquillement. Bien sûr. Ah, d'accord. Et on remue le tout. Quoi, beurre et crème fraîche. Voilà. Hein. Dis donc, tu as mis des feuilles de laurier ? Oui, j'ai mis des feuilles de laurier pendant ce temps-là pour donner un petit peu de goût, un petit peu plus. Ça, juste pour le parfum du laurier du jardin, bien sûr. Voilà. Et maintenant, on va laisser juste un petit peu le mettre tranquillement. Et pendant ce temps-là, oui, on pourrait faire les fagots de légumes. Bah, dis donc, je suis carrément en train, là, regarde. Voilà. J'ai coupé les carottes. Simplement, on va récupérer les haricots. Et pour les rouler, tu vas faire quoi? Avec un morceau de poitrine fumée. Tiens, montre bien comment on fait ça, justement. Voilà. Ce qu'on appelle le buisson. Un morceau de poitrine fumée, on prend. Je peux parler, réponds-toi, on s'en fout. Voilà. Non, je suis à fond. T'es à fond, voilà. J'ai bien compris. Un buisson de légumes. Voilà, c'est ça. Tiens, tiens-moi la caméra, Nathalie. Voilà. Donc, on dispose dessus, comme ça. Deux, trois. Et après, on va le rouler. On va le rouler tranquillement. Mais tranquillement, je ne sais pas faire, moi. Moi, je sais rouler, mais stressé, tu vois, genre, rouler. Voilà, comme ça. Et après, voilà. Et tu les piques après ? C'est un fagot, quoi, en fait. Un fagot, voilà. Un fagotin, un petit fagot. Voilà. Une petite pique, un petit pique, un petit pique. Et dans une poêle chaude, même sans matière grasse, parce que il y a le gras du cochon. Voilà, qui va faire. D'accord. Voilà, hop. Voilà. La poêle n'est pas chaude encore, mais ça ne va pas tarder. Voilà. Rien mis au fond de ta poêle, hein, c'est la graisse du cochon qui va. Voilà, c'est ça. Et c'est là, ça. Comme tu vois, c'est parti mon kiki là. Ils s'en foutent de ce que je dis, je sais pas, j'ai l'impression que Fernieux est très concentré aussi. Mais attends, moi je suis à donf, moi, tu comprends pas ça. J'ai compris. Voilà, je suis dans l'andouille là. Voilà, parce que je vois qu'elle est en train de partir un petit peu en vrille. Mais, donc c'est normal, hein, ça se délite. Mais en revanche, la lotte, c'est beau, c'est nacré, c'est ferme. Et qu'est-ce que c'est bon, quel poisson remarquable. Merveilleux. C'est vraiment bon, bravo. La recette. Quelques étapes de la bonne recette, Vincent. Oui. Réussi ici aux côtés de Franck. Tu avais rêvé de tourner un clip une fois dans ta vie. Il est là. Regarde plutôt les images. On a démarré avec cette monstruosité qui s'appelle une lotte, qui est pourtant un poisson merveilleux. Non, c'est vrai que c'est très laid, mais c'est merveilleux, un peu comme moi. Regarde, on a coupé des cubes à l'intérieur, dans la joue, dans les filets. Et ensuite, on a fait revenir à la poêle avec moult beurre, un peu d'échalote. Voilà. Ça sert à démarrer, si tu veux, les cubes de lotte dans le beurre à l'échalote. On est en train de découper, découpons encore, découpons toujours. Et on fait revenir toujours dans ce beurre un petit peu mousseux. L'échalote sert à apporter ce fruité, ce goût qui est absolument merveilleux. Pendant ce temps-là, on a fait cuire nos légumes, je le signale. Et on rajoute l'andouille une fois que les échalotes sont blondes, que les cubes de lotte ont déjà
pris une belle couleur, eh bien on fait nos petites tranches d'andouille de Guémenée, puisqu'on est dans le Morbihan, et on a cuit nos légumes à l'eau, carottes, navets, pommes de terre et les haricots verts dans une autre casserole. Là, un petit coup de vin blanc, hein, pour déglacer les sucs, comme on dit. On rajoute de la crème, on est en Bretagne, nom de là, oui. Hein, voilà. Et évidemment, on laisse lier doucement avec le vin qui s'évapore cette sauce et on fait des petits fagotins. Fagotins de haricots verts, carottes, pommes de terre que l'on a taillées en julienne, que l'on pique d'un bâtonnet, et c'est pas le plus difficile. Et ensuite, on le fait simplement avec la graisse de ce lard fumé. On fait rôtir à la poêle, enfin on fait juste poêler à sec. Et l'assiette est prête. Et nous et avons voilà, Chloé, la fille de Franck, qui est bien nourrie à la maison, mais qui va quand même goûter. Et Florence, qui va goûter également. Venez, venez, venez. Voilà. Allez, alors, goûte, évidemment, si à ta fille, elle est bien habilitée à dire si la recette est correcte, si c'est aussi bon qu'à la maison. Allons-y, Chloé. Est-ce que c'est aussi bon qu'à la maison? Papa a réussi. Ah oui, ah oui, ah oui, ça Franck. C'est le cri du cœur, ça. Bravo. Florence, c'était bon? C'est super bon. C'est super bon. Ah bah écoute, allez, Franck, vous bravo, pourrez gars. Faire la même chose à la maison. Le sourire de France. Merci. Et là, évidemment, il a été remis aujourd'hui ici à Carnac. On se régale autour de la bonne recette. Le voici, ce sourire de France pour notre ami Sabotier. Sachez que nous serons demain ici à 10h50 pour votre magazine de découverte à Carnac. Il est bientôt midi en France.